Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche parce que nous on est au taquet. Bravo les gars, on a fait une super journée, je vais vous laisser regarder ça dans la vidéo, je pense que vous allez adorer. On a fait pas mal de lieux, on a fait beaucoup de pêche en surface, notamment ce matin, on a essayé un peu la dorade cet après-midi et avec beaucoup moins de réussite, mais voilà, on peut pas réussir à tout. Et puis là on s'est remis au leurre de surface et au leurre souple sur des zones un peu plus profondes et on a refait du bar. Donc moi je dis, sous ce soleil, avec les copains, on s'est baigné. Enfin vous allez voir tout ça dans la vidéo, je vous laisse regarder. Exactement. Surtout abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les vidéos qui sortent chaque semaine. Laissez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis s'il y a des questions, s'il y a des remarques, s'il y a des objections, c'est là-dessous dans les commentaires. Je répondrai à chacun d'entre vous. Je vous dis bonjour les copains, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Vas-y, regarde. Je me tâte. Allez, début de journée. Voilà, on a décidé aujourd'hui, donc petit coef, c'est coef, je sais plus, 40, 44, un truc comme ça. Donc un tout petit coef. Je pense qu'il va y avoir plein de monde sur l'eau. Nous, on a décidé d'aller ailleurs. Voilà, d'aller se promener, d'aller découvrir des nouvelles zones. Et là, on vient de s'arrêter, l'heure de surface. Je viens d'avoir une attaque. Romain vient de faire son premier bar. Moi, je dis, la journée va être belle. Bon, alors, Romain, tu nous dis, là, début de journée, là, tu le sens comment? Écoute, moi, je le sens pas trop mal. Moi, j'ai commencé avec une couleur qui était assez claire. Assez blanc clair, parce que on est un peu à l'ombre sous les falaises, puis je le sentais bien. Et apparemment, ils ont l'air d'être potes de taper sur l'arrêt. Parce que du coup, toi, t'as fait une touche. Ouais, à l'arrêt. Tu t'es arrêté, j'ai fait un arrêt, aussitôt il a pris derrière. Donc, t'étais quoi, toi, Asturie? Asturie 130. Et moi, Zco. Tiens, regarde. Oh ouais, putain, je l'ai vu. Oh la vache. Bon, ça suit, hein, donc n'hésitez pas sur les arrières. Ça suit énormément. Oh ouais, putain. Regarde, t'as vu Romo derrière mon leurre? Moi, je suis pas un grand fan en leurre de surface, alors je vous le dis tout de suite. T'aimes pas ça? Bah, non, j'ai jamais pris un fiche avec. Non, mais je crois que ça va arriver. En surface, quel que soit l'heure. Ah ouais. Bah, c'est pour aujourd'hui, là. Bah, attends, tu sais, à chaque fois, je défonce les chasseurs avec toi. Raphaël, il veut un cours sur comment on anime. Tu veux un cours pour l'animation? Bah, ça dépend de ce que t'as, ouais, vas-y. Bon, d'abord. Non, mais vas-y, je te regarde. D'abord, tu lances. Bah, en fait, c'est ce que je dis, il faut se concentrer plutôt sur. Moi, je regarde plutôt mon leurre. Je regarde surtout mon leurre, j'essaie de bien voir la nage qu'il fait. Je sais que là, par contre, je vais faire Walk in the Duck, donc je vais me concentrer pour faire ça. Et moi, je vais mettre des petits coups de sion. Et faut pas mouliner trop vite. Tu vois, à la limite, c'est plutôt des petits coups de sion rapides, ouais, mais mouliner lentement. Ça doit être trop rapide, je pense. Bah, souvent, souvent, on mouline un peu vite. Bah, après, ça dépend. Des fois, ça a besoin d'être rapide. Mais là, pour le coup, là, c'était plutôt une récupération lente, mais avec un Walk in the Duck vachement serré. Du coup, je mets plutôt des petits coups de sion. Des petits coups de sion avec une remontée assez lente. Essayez de, au départ, quand tu apprends, enfin, moi c'est comme ça qu'on va montrer, quand tu vas apprendre à pêcher en surface, tu moulines avec un doigt, comme ça. Ouais. Parce que ça t'empêche d'aller trop vite. Souvent, on essaie de mouliner avec... Oh, voilà. oh, et en plus, c'est beau. Et en plus, il est beau. Ouais. C'est pour ça que je voulais... Ah beau. Le Pachinko, c'est vrai que c'est vrai qu'il fait la différence. C'est pas un mini comme Romain il pêche. J'adore quand il fait cet œil, ce regard noir. Écoutez bien moi les amis. À l'arrêt ou pas? À la pause? Non. Il va prendre très cher. J'ai mis le leurre que tu m'as recommandé par contre. Vous avez ma place? Ah si, c'est pas vilain. Si si. Il va pas bien. On va la sauver. Ah bon, c'est pas ça. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, au Pachinko, tu m'as dit quoi? C'est la couleur Ghost Lançon. Ghost Lançon. Hop. Voilà le criminel.
Oh tiens, poisson. Oh, en direct. En direct. Et ils sont très près de la plage. Hein. Parce que moi, c'est pareil, je l'ai pris vraiment à peu près au niveau du celui-là. J'arrive mieux à animer le pachinko que le jeu. Ils sont vraiment posés sur la plage, hein, les gars. Ouais. Faut enfin. Jeter sur la plage. Yeah. C'est maillé, hein. J'aime bien, je peux pas l'attraper à la main. Quand je peux. C'est toi, boss. Quand je peux faire comme ça. Et ça devient un vrai pro. Maintenant, il pense même à montrer son poisson. Je crois que je vais arriver à faire quelque chose de lui. Encore du boulot, mais ça vient. Ah, c'est pour ça que tu le prends dans la tête. Faut pas pomper comme ça. Voilà, on a tué le chat noir. Encore une fois. Oui, je l'ai tué tout. Petit, hein, je l'ai tué au moins 3 fois cette année. Donc là, c'est son premier bar au long de surface. Deuxième chat noir. Quoi. Deuxième chat noir. Ah, il est nerveux, hein. Encore sur un démonté, autre... Fabien. Regarde. Oh putain, ouais. Tu l'as vu? Ah merde, putain, t'aurais dû me le faire. J'aurais dû tourner la caméra. Je l'ai dit, il était derrière, il était en train de me tuer. Ce mec est trop fort. Ce mec est trop fort. Il sait quand le poisson va arriver. Allez, il me suivait. Ça faisait au moins 6 mètres qu'il me suivait. Allez, un par là, et hop. Un autre Paul Bézo de l'autre côté. Ton point là, hein, Fabien. T'as besoin d'un petit point là, regarde, de poisson. Ah, on entend les billes d'Asturie. Un mètre. Attention, impact. C'est vrai que... Par contre, ils sont quand même sur un spot assez précis. Putain, il ouais, y a du monde au fond. Donc, ils sont là. On va bientôt les voir passer sur le bateau. Toi, hein. Bon, Fabien, ce que je voulais dire par là, c'est que parfois, tu vois, là, tu as utilisé un leurre, on est d'accord, qui est quand même extrêmement bruyant. Ouais. Donc... Ça peut aussi effrayer le poisson. Oui, c'est vrai. Comme... Il est pas vilain. Ouais, il est pas vilain. Comme les fers verts, hein, ça peut les exciter aussi. Hein. Et là, ils sont sur l'Asturie, si t'en as un, faut le mettre. Hein. Il est énervé. Hein. Je crois qu'il est magique. Non, mais je sais qu'il pêche. Oh. Après, il pêche pas tout le temps. Tiens. PM. Je suis vraiment stop. Et là, j'utilise un PN. T'es au PN, là? Ouais, je suis pas... T'es mino. T'as combien de profondeur, pas possible. 3 mètres. Ah, mais t'as des petits pélons qui... T'as une mino. Je peux bien épuiser. Pour ça, je suis en petit fluoro. Vu que j'ai un petit fluoro là, si je le lève, j'ai peur. Et voilà, t'as une mino. Changement d'idée. Un petit peu de PN. Ça fait la différence. Et hop là. Oh, wow. Joli. Wow. Alors moi je sors avec Romain parce que Romain c'est le spécialiste des pêches multi-espèces. Et le multi-espèces c'est important, aujourd'hui on a dit on destine notre journée multi-espèces. Donc pour l'instant on fait plein de bars et monsieur vient de nous faire une mouette. Alors, qui va gagner le combat? Tu veux que je remonte sur elle? Le bec ça fait mal de ça non? Après faut savoir, non, franchement, tu la chopes? Ah, ça pince oui mais bon. Tu peux choper le coup? Les puisettes peut-être non, non bah ouais, tu veux foutre le merdier. Alors sauvetage en direct. Mouline un peu, travaille là hein, parce que sinon on va nous user. Hein. Ouais mais non justement je peux pas tirer dessus. Vas-y fais-nous un voile tous et mouette. Imagine un bar qui la tape là. Bam. Ouais si elle les ailes passent. Sinon faut que tout. Sinon tu peux choper les deux ailes. Tu les mets en arrière. Oh panique pas. Vas-y, tiens. Tu le cèdes ? Attends, recule-la vers moi, je vais chauffer le hop, et voilà. T'as vu, on a fait... Non, franchement, bien, ouais. Je connaissais pas cette technique. Elle est belle, hein, fait combien ? Tu la mesures après, s'il te plaît.
Eh, Delahaye a fait bien. Eh, c'est bien. Eh, Delahaye a fait bien 80. Il y en a une qui ont des prêts. Non, c'était dans les coulisses. Ah, bien joué les gars, merci. On va faire une release. Ciao. Nickel. Ça, c'est de la relâche. J'avoue, j'ai vu. Ah, belle cartouche. Je pense qu'il est pas au vide. On voit les remous qu'il fait, il a pas l'air de jouer. Je vois bien un poisson de 60. Il est beau. Il est beau. Il est pas content, il a vu. Joli. Vas-y, recoiffe-toi. Et voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Rien à ajouter. Je vous dis... Comment on dit ? Bonjour les copains. Bonjour. J'ai plus rien à dire. Bonjour les copains. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.